Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait vraiment très longtemps qu'on n'a pas fait des vidéos YouTube. Comme tu as pu le voir, si tu suis un petit peu mon compte Insta, que je t'invite grandement à suivre parce que tu vois tous les coulisses, tu as un petit peu toutes les actus au jour le jour. Par exemple, j'ai un nouveau téléphone pro. Donc voilà, tu peux avoir ce genre d'informations sur mon compte Insta ou mon profil, ma page Facebook, pardon, ma page Facebook. Comme tu as pu le voir, j'avais beaucoup de choses à préparer ces dernières semaines. J'ai eu un mois de septembre incroyable, mais du coup très peu de temps pour faire des vidéos YouTube. Là, ça s'est un peu tassé, ça s'est un peu calmé. Donc, je peux passer un petit peu de temps avec toi et te parler du coup du Reiki, des remèdes naturels, des énergies, vraiment de quoi développer ton potentiel de guérison. Donc, c'est parti pour cette vidéo. On va aborder les autotraitements Reiki et les prochaines vidéos. Je tourne tout le même jour, c'est pour ça, tu t'inquiètes pas, j'aurai la même tenue, le même... Tu connais maintenant la chanson. Je tourne tout le même jour, donc les prochaines vidéos, on abordera fabriquer ces remèdes naturels. Pour moi, c'est vraiment important de comprendre qu'on est vraiment autonome là-dessus, qu'on peut vraiment s'apporter du bien, qu'on peut vraiment guider et aussi accompagner son corps, accompagner ses énergies, et rien de mieux que la nature qui nous a accompagnés pendant des milliers d'années pour le faire. Donc on va aborder ce thème là qui me tient vraiment à cœur, comment aborder les plantes, comment fabriquer ses remèdes, comment y intégrer aussi le Reiki, hein, qui peut être un combo extraordinaire sur ta santé, qu'elle soit physique, émotionnelle ou énergétique. Et dans la prochaine vidéo, on va aborder aussi la différence entre le Ki et le Reiki, donc la différence entre ton énergie à toi et le Reiki, donc finalement la différence entre plusieurs méthodes énergétiques, dont le magnétisme, dont je suis une grande adepte depuis maintenant près de 15 ans avec Serge Boutboul. Donc c'est même pas une question de préférer une méthode à l'autre, c'est surtout aborder les différents champs d'action que ça peut nous apporter, et surtout les avantages d'une et l'autre méthode. Et du coup, dans cette vidéo là on va aborder vraiment l'un des plus grands avantages que le Reiki, donc on verra dans les prochaines vidéos. Et on va aussi parler de la maîtrise Reiki. Peut-être que je ne la tournerai pas aujourd'hui, on verra. Mais en tout cas, tu auras une vidéo sur la maîtrise Reiki dans les prochaines semaines. Donc c'est parti. Alors les autotraitements de Reiki, j'avais vraiment envie de les aborder avec toi parce que c'est vraiment l'un des plus beaux cadeaux qu'on se fait quand on se fait initier au premier degré de Reiki. Donc je le rappelle, hein, si t'as pas vu la vidéo, je te conseille de la regarder. De voir un petit peu sur mon site ce qu'on aborde en programme, mais je l'ai vu dans une vidéo YouTube. Quand on est initié au premier degré de Reiki, donc c'est vraiment accessible à tous, quel que soit ton niveau dans l'énergétique, tes facultés spirituelles ou énergétiques, c'est vraiment une méthode qui est abordable par tout le monde. Et quand on se fait initier au premier degré de Reiki, on voit les autotraitements de Reiki. Alors qu'est-ce que c'est ? Un autotraitement de Reiki, c'est une méthode qui va te permettre de te faire un soin à toi-même. Donc c'est juste extraordinaire. Ça veut dire que toute ta vie, tout au long de ton cheminement, qu'il soit spirituel, professionnel, personnel, tu vas pouvoir avoir accès, quand tu le souhaites, à cette énergie Reiki. Où que tu sois, en vacances, à la maison, par juste cette méthode qu'est l'autotraitement. Très important, pour pouvoir faire cet autotraitement de Reiki, il faut avoir vécu les initiations en présentiel qui sont au nombre de 4 au premier degré de Reiki. C'est ce qui va vraiment te permettre de canaliser cette énergie Reiki. Sans ces initiations en présentiel avec un maître Reiki compétent, tu vas te donner une forme d'énergie, tu vas te donner une source d'énergie, mais qui ne sera pas le Reiki, qui peut être bonne ou moins bonne. Mais pour canaliser le Reiki, il faut faire ces initiations en présentiel que je propose dans mes formations. Donc si tu es intéressé, il y aura tous les liens en barre de description. Une fois que tu as reçu du coup ces initiations au Reiki, tu es capable de canaliser l'énergie. Et d'ailleurs, à la formation premier degré, on voit un exercice qui est très simple et très ludique pour voir la différence entre avant l'initiation et après l'initiation. Et très généralement, même les gens, quand ils développent pas leur ressenti énergétique, ils sentent qu'il y a une différence de ressenti dans leurs mains quand ils posent après les mains sur différents endroits de leur corps, et que la chaleur
est quand même différente de ce qu'on peut ressentir avec la chaleur des mains. D'autant plus que, en fonction des zones qu'on va aborder sur le corps, il y a des moments où on va sentir que ça chauffe, d'autres où ça chauffe pas, ou alors on va sentir des picotements ou une circulation. Donc, c'est vraiment propre à chacun. Et surtout, ça n'a rien à voir avec la chaleur naturelle des mains, bien entendu. Les autotraitements, c'est une méthode qui, une fois que tu as compris comment on canalise le Reiki et qu'on voit au premier degré, on a différentes positions des mains douces sur le corps qu'on peut aborder de façon assise, donc que ce soit sur les genoux, et on va se mettre les mains à différents endroits du corps. Ça peut être les yeux, ça peut être après les tempes, les oreilles, la gorge, le troisième œil, et toutes ces zones. Donc il y aura le buste, devant, derrière, il y a les genoux, il y a aussi la plante des pieds. Et toutes ces positions vont permettre de donner à ton corps un potentiel énergétique qu'il est libre de prendre ou pas. C'est pour ça que le terme « donner du Reiki » est très familier, mais il n'est pas totalement juste parce qu'on ne donne pas du Reiki. On met à disposition du corps un potentiel énergétique Reiki et le corps va absorber ou non ce potentiel énergétique à tel et tel endroit du corps. C'est pour ça qu'il y a des zones où on va sentir que ça travaille et d'autres où on va rien sentir de particulier. C'est tout à fait normal. Ça veut dire que le corps, à tel endroit, il en a besoin et à tel endroit, il va décider de ne pas prendre ce potentiel énergétique qu'on met à sa disposition. L'autotraitement Reiki, qui peut être fait de n'importe où de chez toi avec juste tes positions de main, qu'on voit très précisément à l'initiation premier degré Reiki, dure au total à peu près une moyenne, ça dépend un peu ça dépend du temps de position que tu vas prendre par apposition de main, mais on conseille très fortement de faire 5 minutes par apposition de main et totalement ça va faire 3 quarts d'heure, à peu près 3 quarts d'heure d'autotraitement par jour ou par semaine comme tu le sens, sachant qu'au premier degré de Reiki, après les 2 journées de formation, on conseille quand même fortement de faire 21 jours d'autotraitement de Reiki, tout simplement parce que ça va accompagner ton corps à ce processus d'évolution, parce que tu es initié à des énergies qui sont hautement vibratoires, hautement bénéfiques. Donc il faut accoutumer ton corps à les canaliser, donc accompagner à ça, mais aussi te délester, te débarrasser de toutes les charges énergétiques dont tu n'as plus besoin. Et pour ça, on conseille vraiment un temps de purification de 21 jours avec ces auto-traitements de Reiki. Donc tu vas voir, après ces 21 jours, la différence entre le avant, toi, avant cette formation et le après. Une fois qu'on a fait ces 21 jours de purification avec l'autotraitement à la suite de la formation au premier degré, on est libre de l'adapter un petit peu en fonction de ses envies, en fonction de ses besoins, mais surtout en fonction de son rythme ou de sa routine. Personnellement, moi je conseille de le faire dans des moments de vie où ça nous semble plus léger, le plus confortable, parce que si on sent que c'est lourd à le faire ou trop pénible, on va probablement un petit peu s'auto-saboter, se trouver des excuses et finalement ne pas le faire du tout. Personnellement, je conseille de le faire peut-être même une fois par semaine ou voire toutes les 2 semaines plutôt que ne pas le faire du tout parce qu'on trouve ça trop contraignant de le faire 45 minutes tous les jours si on a un rythme un petit peu soutenu dans notre vie active. Mais en tout cas, plus on fait l'autotraitement, plus ça apporte des effets hautement bénéfiques sur nous, sur le corps, sur les émotions et sur les énergies. Donc bien sûr qu'on le conseille de le faire quotidiennement ou le plus souvent possible, tout simplement parce que plus on va le faire, plus on le pratique au quotidien, plus ça va transformer notre mental, ça va transformer nos pensées, ça va transformer nos cellules et nos énergies, et forcément, fatalement, ça va nous transformer pour le mieux. Donc c'est un petit peu comme un régime finalement. Si on applique un régime ou une routine de vie, une hygiène de vie saine tous les jours, on aura beaucoup plus de résultats que si on l'applique une fois par semaine ou une fois par mois. Pour le premier degré, on voit juste les appositions de main. Pour le deuxième degré, on y intègre des symboles sacrés qui sont vraiment très intéressants et très puissants et transformateurs. C'est pour ça qu'on attend souvent qu'on soit passé par une période de purification au premier degré, un petit temps d'assimilation, et après on les aborde au deuxième degré parce que ça peut faire beaucoup d'un coup, beaucoup à assimiler,
et que cette période de pause, d'assimilation déjà du premier degré, permet d'accueillir un peu plus sereinement les initiations et les symboles sacrés du deuxième degré. Si jamais t'es intéressé pour apprendre un petit peu cet autotraitement et l'intégrer dans ta journée, au quotidien ou dans ta routine, tu peux demander des informations pour t'inscrire à la formation du premier degré de Reiki. Il y a plusieurs dates, je crois que c'est une tous les mois, et il y aura la prochaine, ça sera le 12 et 13 novembre. Tu auras les liens en dessous de cette vidéo. Je te conseille de contacter directement le secrétariat Mundo Reiki. Les filles sont exceptionnelles, elles font un travail extraordinaire, elles sont à l'écoute, elles sont hyper réactives, hyper compétentes et hyper bienveillantes pour répondre à toutes tes questions, que ce soit par téléphone, par mail. Elles t'enverront toutes les informations des stages avec moi au Puy-en-Velay et je serai ravie de pouvoir te retrouver dans cette magnifique ville qui est le Puy-en-Velay, qui est quand même le départ officiel du pèlerinage de Saint-Jacques. En général, le midi, on se fait des petits restos en ville, c'est super sympa, on monte jusqu'à la ville haute, à la cathédrale. Se former à la spiritualité, oui, mais ça reste mes piliers. La légèreté, ne pas se prendre la tête, garder en tête que ça doit être agréable, que ça doit être moteur. Donc, c'est toujours fait dans la légèreté, le rire, l'humour, un peu comme un enfant, tout en gardant la rigueur, hein, mais rigueur ne veut pas dire forcément sérieux. Donc, en tout cas, si ça t'intéresse, et si tu as envie qu'on se rencontre, ça me ferait super plaisir, ça sera un honneur même de rencontrer chacun d'entre vous. Et rendez-vous du coup à une prochaine formation Reiki. Je te fais plein de gros bisous, je te dis à bientôt, que ce soit en présentiel ou à distance, et je te souhaite une très très belle journée. Allez, ciao. Before the throne of God above, I have a strong and perfect plea, a great high priest whose name is love, whoever lives and pleads for me. My name is graven on his hand, my name is written on his heart, I know that heaven he stands, no tongue can bid me thence depart.